bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je viens de déposer l'enfant à l'école. Ça s'est bien passé cette fois-ci. Rien à déplorer. Elle était contente d'y aller. Elle a eu une petite hésitation devant le portail. Après, ça a fait dégage. Donc j'ai fait allez, au revoir, je suis partie. Hop, j'ai pas laissé le temps de réfléchir à son hésitation en fait. Et bon, de toute façon, je la récupère à 11h30. Donc voilà. J'ai demandé à la maîtresse. Qu'elle voit avec la cantine pour que je puisse la mettre aussi le mardi à la cantine à partir de la semaine prochaine. Donc comme j'avais dit, après la Nouvelle-Zélande, on passe à 3 jours complets. Et après Noël, je pense qu'on passera à 4 jours complets. Parce que le reste de sa classe, la plupart, ils sont en journée complète. Et là, elle a 3 ans et demi bientôt, donc il faut qu'elle aille à l'école en journée complète. Elle n'est pas obligée, mais elle aime bien et ils font des trucs aussi l'après-midi, de la peinture et tout. Et elle m'en parle, elle me dit « Oui, la peinture, maintenant c'est l'après-midi. » Enfin bon. Ouais, je sais que ça lui fera plaisir aussi d'y aller toute la journée. Donc on gardera juste le vendredi parce qu'elle risque d'être fatiguée franchement à la fin de la semaine. Mais où je la récupérerai, ou ma belle-mère la récupérera à 11h30. Mais voilà, on passe à 3 jours complets à partir de la semaine prochaine. Mais bon, moi ça va me permettre aussi de bosser beaucoup plus. Et puis et là, ça va lui permettre aussi de faire la sieste parce qu'à la maison... Ça devient très difficile de faire la sieste alors qu'à l'école elle l'a fait. Donc limite elle se repose plus quand elle est là-bas que quand elle est avec moi. Bon, moi je me mets au travail. Du coup j'ai que 3 heures devant moi, même pas. 2h30 pour bosser au max et avancer sur mon boulot. J'allais ouvrir le frigo mais pas du tout. J'essaie de retrouver une alimentation... normal et équilibré après ce long voyage où on a mangé un peu n'importe quoi, n'importe quand. On était complètement décalé, c'est dur de retrouver une alimentation. C'est très dur pour moi qui bosse à la maison parce que j'aime beaucoup le sucre. Donc j'essaie de me raisonner et d'arrêter de grignoter tout le temps parce que c'est un de mes gros problèmes. Donc voilà, là ce matin j'ai déjà déjeuné. Je teste des trucs en ce moment... Je change un peu des choses dans mon alimentation. J'essaie de manger autre chose. Je vous en parlerai si je perdure là-dedans. Mais j'essaie de manger en fait moins de sucre. Et de manger de plus en plus salé le matin. Pour passer que sur du salé le matin. Parce que ça peut m'aider à réduire aussi mon envie de sucre pour le reste de la journée. Quoi. Donc voilà, je teste des trucs. Je vous dirai un peu ce que j'en pense. Bon, je ne suis pas du tout coiffée, j'ai viré la frange aujourd'hui, mais je dois me coiffer, donc bon, pas grave. On va faire avec cette tête là. Je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu. J'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que du coup, faut que je retourne la chercher dans une heure. Un colis que le Père Noël m'a envoyé pour que je puisse vous montrer les jouets. Bon, comme ça, s'il y en a qui sont intéressés pour commander au Papa Noël, eh ben c'est bon. Mais je dois lui renvoyer après parce que les lutins, ils doivent tout emballer et tout, donc... Faut vraiment que je me dépêche, il faut pas qu'elle aille le voir. C'est vraiment un truc entre le Père Noël et moi. Donc ce sont des jouets de la marque Verbaudet que le Père Noël a choisi pour Ella. Il y a plein de petits trucs, je suis trop contente. Je pense que ça va lui faire hyper plaisir, donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, il y a ce costume, accessoire, ouais, costume de fée. Donc c'est aile de fée, jupon et baguette magique. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et là, elle a une grosse passion pour les déguisements en ce moment. Elle est tout le temps déguisée à la maison, tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas déguisée. Donc du coup, je sais que ça va lui faire vraiment plaisir. Et en plus, on avait regardé le catalogue ensemble, elle m'avait montré un peu ce qui lui plaisait. Donc ça voilà, aile de fée et tout, ça va être super mignon. Ensuite on a un puzzle du monde magnétique. Donc elle a déjà un puzzle du monde, un grand. Là c'est plus petit et c'est en espèce de bois mais magnétique. Et donc ça se présente comme ceci, on le voit aussi à l'arrière hein. Voilà, et elle adore les puzzles et je trouve que c'est intéressant pour leur apprendre la géographie, etc. Vu qu'elle voyage beaucoup, elle sait maintenant où sont placés les endroits qu'on a visités. Donc voilà, je trouvais ça cool et je pense que ça va lui plaire. Ensuite, on a un petit jeu qui est une pizza en bois. Donc pareil, et là, elle aime bien jouer à la dinette, donner à manger à ses poupées, etc. Donc voilà, c'est une petite pizza avec il y a la petite roulette, il y a la petite spatule et tout, enfin c'est trop mignon. Donc voilà, j'aime beaucoup les jouets en bois et Verbaudet en font pas mal. Ensuite on a un petit kit qui se présente comme ceci, vous le verrez ici, voilà, qui est un petit kit pour s'occuper de sa poupée. Donc c'est un petit sac à langer et des accessoires pour les poupons. Donc il y a un petit doudou, il y a un
Il y a de quoi lui nettoyer, la changer, le biberon, etc. avec le petit sac à langer. Et ça, maintenant, c'est un truc là qu'on peut faire de plus en plus, c'est jouer à la maman, en fait, avec ses peluches et ses poupées. Ensuite, on a ceci qui est un camion de pompiers. Et là, elle adore les camions de pompiers, elle adore les pompiers, quand elle les voit, elle est toute contente. Et elle aime beaucoup jouer avec les voitures, elle en a 2-3 à la maison et c'est un truc qui lui plaît beaucoup. Donc un camion de pompiers en bois comme ça, je trouvais ça très mignon avec les petits pompiers. Donc elle va pouvoir s'inventer ses petites histoires avec son camion de pompiers. Donc c'est trop chou. Il y a même le truc pour lever et tout, donc voilà, c'est assez ludique en plus, enfin, j'aime bien. Ensuite, il y a un jeu d'équilibre, donc ça voilà, c'est vraiment pour travailler la dextérité je trouvais ça intéressant. C'est un petit jeu comme ça, hop, donc on a un petit paresseux comme ça, il faut poser les objets sans bois toujours dessus pour que ce soit en équilibre, donc ça c'est un truc sympa. On a alors moi je me souviens qu'on avait ce jeu avec des lacets là quand j'étais petite. On a des petits ours à habiller, donc en fait c'est des ours, voilà, les deux ours, la fille et le garçon, avec plein de tenues différentes et il faut les habiller, leur créer des tenues. Donc moi je me souviens qu'on avait ce type de jeu quand j'étais petite et j'aimais beaucoup, donc je pense que c'est un truc que je vais faire également. On a ce puzzle, donc c'est le puzzle des chiffres caméléons. C'est un puzzle qui est assez difficile, mais en fait toutes les parties du puzzle sont numérotées, donc ça aide en fait à retenir les chiffres, ça aide à retenir les chiffres et à disposer le puzzle dans le bon sens, et je pense que ça va plaire à Ella. Donc voilà un peu les jouets que Papa Noël a choisi, vous avez ça en exclu hein. Ça j'ai vraiment de la chance qui m'a envoyé ça pour vous montrer. Voilà, je suis coiffée. Les jouets Verbaudet sont vraiment de bonne qualité parce que là, on en a eu plusieurs déjà. Et ils sont vraiment abordables en termes de prix. Je trouve qu'ils m'ont vraiment des trucs très mignons. Vous voyez, c'est cette attirance vers le placard et vers le frigo, c'est l'horreur. Ouais, donc je disais, c'est vraiment abordable et il y a plein de choix de jouets en bois et de jouets mignons un peu qui changent, je trouve. Donc voilà, c'est un bon plan si vous voulez acheter plein de petits trucs pas trop chers, mais que ça fasse quand même plein de petits cadeaux, je trouve ça cool. Nous, cette année, on a décidé que Ella commanderait pas 1 million de jouets au Père Noël parce que d'une part, on en reçoit, même si je limite énormément, mais on en reçoit souvent. On la gâte tout au long de l'année. Donc je sais que rien qu'avec les proches, elle va être hyper gâtée. Donc nous, on limite vachement en fait. Là, ça fait plein de petits cadeaux. Et il y en aura sûrement un autre, mais on verra avec elle quand elle fera sa liste, quoi. Bon, je vais pas tarder à aller chercher ma fille d'ici une dizaine de minutes, mais il faut que je passe à la poste aussi. Donc je vais peut-être partir avant. Je suis en train de faire ma miniature du vlog du jour. J'en profite parce que je viens de lire un commentaire et vous avez été plusieurs à me parler de ça ces derniers jours. Et du coup, à me poser des questions sur mes dents, donc vous avez été plusieurs à me dire on voit vraiment la différence sur tes dents, tu nous en parles plus. Donc j'ai fait une vidéo qui est sortie quand j'étais en Nouvelle-Zélande ou juste avant qu'on parte en Nouvelle-Zélande sur l'avancée de mon traitement. Je porte toujours mes gouttières évidemment, il y en a qui me demandent, c'est vrai que des fois on les voit pas du tout en vlog, ça dépend de la lumière, là on les voit parce que ça brille, il y a un reflet. Quand il n'y a pas de reflet, qu'il y a une lumière qui ne fait pas de reflet, on ne voit pas du tout que je porte mes gouttières. Mais je les porte hein, toujours assidûment, il n'y a pas de souci. Je le fais bien correctement et ça marche hyper bien. Et là, c'est vrai que ces deux dernières semaines, j'ai commencé à voir vraiment que mes dents du haut bougent. Parce que vous savez que mes dents du bas, c'est terminé. Elles sont toutes droites. Et ça y est, mes dents reculent en haut. Et changent de forme, en fait, ma mâchoire s'écarte. Donc là, j'avais des gros trous qui sont en train de se combler, ce qui recule. Par contre, ça me fait hyper mal. La gouttière que j'ai cette semaine, ça me fait hyper mal. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est normal, je sens que ça force sur mes dents de devant qui sont en train de reculer. Et on voit qu'il y a toujours un gros espace. Hein. C'est que le début des dents du haut. Ça commence à peine à reculer les dents de devant. Mais on voit que ça a reculé. Donc moi, je le vois.
Donc effectivement, mes dents, on commence à voir la différence, et bon, c'est le but, hein, parce que le traitement avance, hein, il sera d'ici moins de 6 mois, il sera terminé, donc ben, j'ai hâte de voir le résultat. Franchement, j'ai trop hâte. J'espère que ça va pas trop me changer la tête, mais vu que c'est progressif, je pense qu'on va s'habituer au fur et à mesure. Bref, je vais arrêter de papoter, je vais aller chercher ma fille. Quand on a participé à la rigoladerie de Cadom au mois de juin, ou début juillet, fin juin, début juillet, on a eu la chance de se faire photographier par les studios Harcourt. Donc si vous connaissez pas, je vous explique un peu, c'est des studios qui font des photos en noir et blanc, vous allez reconnaître. Ils photographient énormément de stars, je pense que le portrait doit coûter hyper cher. Et ils sont une équipe, genre ils sont 10 quoi, pour vous prendre en photo, c'est un truc de fou. Et c'est des portraits très sombres, vous allez voir. Et on a fait une photo de Fanny. Je la connais, j'ai déjà vu la photo parce que je l'ai reçue en version électronique. Mais c'est juste magnifique. Voilà ce que ça donne. C'est tout un jeu de lumière en fait pour mettre en valeur les visages. Et cette photo est magnifique. On a eu vraiment beaucoup de chance qu'on nous offre ça. Et c'est en fait c'est la rigoladerie hein, qui nous a offert ça. Et franchement, je suis ravie. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est un super beau souvenir. Je vais l'encadrer et le mettre à la maison. Que franchement, c'est dingue. C'est dingue. Le jeu des lumières, regardez le visage est là. Bon, moi, je me trouve jamais géniale sur les photos, mais Nico, on dirait pas une star de cinéma, franchement. J'adore, c'est trop beau. Bon, on a une petite puce qui refuse de faire la sieste, comme d'hab. Elle se repose devant les dessins animés. Voilà, on va la laisser tranquille le temps. De l'heure de la sieste, au moins elle se repose et c'est toujours ça. Moi je suis en train de commencer à rédiger. Je vous pose comme ça, je vous ai posé sur l'essuie-tout. J'entame une série d'articles sur la Nouvelle-Zélande. J'ai bien l'intention de les mettre en ligne et de m'y atteler. J'ai l'article sur l'Écosse qui va paraître en premier, qui sera bientôt prêt, que j'avais pratiquement fini de rédiger, mais que je dois rajouter plusieurs infos importantes et surtout les photos. C'est ça qui prend le plus de temps. Hein? Pourquoi je parle fort? Parce que je parle à la caméra, chérie. Comme d'habitude. Et du coup, j'ai commencé aussi à faire les. Enfin, je commence le premier article sur la Nouvelle-Zélande. Je vais vous faire une série d'articles sur la Nouvelle-Zélande. Parce que j'ai eu tellement de questions sur le sujet que c'est bien qu'il y ait une trace écrite pour ceux qui veulent envisager ce voyage, voilà, d'avoir toutes les infos, donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est ce que je m'attelle à faire cet après-midi. Et ça prend beaucoup de temps d'écrire, vraiment. Je suis pas quelqu'un qui... j'aime beaucoup écrire, mais ça me vient pas naturellement, quoi. Enfin, les formulations des phrases sont compliquées. Et ça, c'est à cause de toutes ces... Le fait... Mais pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup lu dans sa jeunesse, même dans son adolescence. Un peu moins depuis que je suis adulte par manque de temps, mais j'adore lire. Mais c'est vrai qu'après la formulation des phrases, c'est... Je reprends mes phrases 18 fois, ça me prend du temps, en fait. Mais bon, voilà. Parce que je suis plus à l'aise en vidéo qu'à l'écrit, c'est... Mais c'est bien, j'aime bien tenir ce blog. C'est l'heure du goûter pour Ella. Donc Ella a voulu aujourd'hui un yaourt nature avec du miel et une madeleine. Donc voilà, ça c'est le goûter du jour. Elle a joué pendant 1 h 30 dans sa chambre. Ça c'est des petites victoires pour moi, pour un enfant qui ne joue, qui ne jouait, comme je disais il y a pas longtemps, pas trop seul dans sa chambre. Là ça y est, c'est de plus en plus et c'est cool, vraiment. J'ai des nassopalins. Et on va aller à la danse là, on va attendre que Nico se prépare, il a terminé de bosser. Ça fait longtemps que Daniel m'a pas appris à danser. Eh oui, ça fait longtemps que t'es pas allée à la danse, mon petit chat. Et elle est contente. Et nous, c'est notre petite pause avec Nico. Quand Ella est à la danse pendant 1 heure, on a 1 heure devant nous pour aller se boire un café en amoureux et. Genre, du temps tué, ça c'est cool. Que tu seras à la danse? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je sais pas, on va aller se promener avec papa. Et on aura toujours des trucs à faire. Mais c'est cool, ouais. J'ai bien avancé, j'ai écrit un article Nouvelle-Zélande. Donc il faut juste que je rajoute les photos et que je peaufine un peu, je rajoute 2-3 infos, mais il est presque terminé. J'en commence un autre là. Donc c'est bien, je suis contente. C'est vraiment le truc que je voulais reprendre, c'était le blog activement parce que...
parce que j'ai plein d'articles en retard que je veux vous écrire, notamment sur les voyages, et je sais que c'est utile, donc ça me plaît. Bon, cet enfant s'est endormi. On va aller se boire un café avant d'aller à la danse, parce qu'il est trop tôt pour aller à la danse pour l'instant. Bon, on emmène Poupinette à la danse. T'es contente d'aller à la danse? Bah ouais, t'avais hâte de reprendre. Hein. C'est bien, je suis contente. Mais il fait déjà nuit, quoi. Là, ça y est, il est 17h18 et la nuit est en train de tomber, quoi. Ça sent vraiment l'hiver. Nous, on va aller se boire un petit deuxième coup. Géant. Un géant cette fois-ci. On va aller se promener un peu entre amoureux. Wow. T'avais pas un truc où tu tapais dans tes mains? Tac, 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 non, tac. Non, non, j'ai vu d'abord pour pas faire. Tourne, tourne, tourne. Ouais. Wow. Non, il m'a fait ça d'abord. Ma gauche, ma droite. C'était bien la danse? T'es contente? On a reçu le papier pour l'inscription au gala de danse. Et là, va faire son premier spectacle de danse cette année. Hein? Tombe le jour de son anniversaire. Mon bébé. Mon anniversaire où? Ton anniversaire, c'est le jour du spectacle de danse. Ok, Poupinette. Mais oui, hein. Mais on va le faire. On va le faire. On va le faire, le spectacle de danse. C'est trop cool. Ça va être trop bon. On va tous venir te voir à la danse. Là, là. Trop bien. Trop, trop bien, mon bébé. Bon, je me mets au lit. On a regardé un épisode de The Walking Dead. Nico, il continue à regarder, mais moi, clairement, je suis triste, hein, parce que ça fait quand même de nombreuses saisons que je suis, enfin, depuis le début. Deuxième épisode, j'accroche toujours pas à cette saison. Je trouve que c'est trop redondant. Pff, en fait, je me suis lassée, je pense, de cette série. C'est triste. Mais ça m'a saoulée. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et ça me gâte. Donc voilà, je suis un peu gavée par cette série, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vais essayer de me trouver une série sur Netflix à suivre un peu toute seule pendant que Nico regarde The Walking Dead pour les semaines à venir. Je viens de prendre la fille qui achète les trucs 10 ans plus tard. Je viens de prendre ceci. Alors j'ai acheté 2 compléments alimentaires aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait qu'il était un peu de temps. Il était un peu de temps d'en acheter parce que je dors toujours mal. Bon, ça fait qu'une semaine qu'on est rentré, mais je dors toujours mal. Donc j'ai acheté de la mélatonine valériane. Donc c'est du coup il y a deux styles d'action. La valériane, c'est plante. La valériane, c'est une plante relaxante qui contribue à la qualité du sommeil et aide à préserver un sommeil serein. Vu que je me réveille plein de fois dans la nuit, c'est un peu ce qu'il me faut. Et la mélatonine, ça aide à réduire le temps d'endormissement et ça aide à lutter contre le décalage horaire. Et j'ai acheté également du magnésium marin parce que j'en ai entendu que du bien. Et que ça se prend le matin, donc je commence demain matin. Ça favorise la détente et la relaxation, ça aide à trouver un équilibre nerveux. Je fais plus de sport ces derniers temps, même si je vais reprendre cette semaine. Clairement, je suis quelqu'un qui... Je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. C'est très bizarre, c'est très paradoxal. Je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé, par contre, j'ai des bouffées de stress qui me montent. Quand je sens trop de pression sur moi, j'ai tendance à stresser. Apparemment, c'est bien. Et ça aide à lutter contre la fatigue passagère. Donc c'est surtout pour ça aussi le magnésium marin que j'en voulais. C'était pour lutter contre cet état de fatigue que j'ai du mal à récupérer. C'est bien de faire des cures de façon de vitamines comme ça.
à cette époque de l'année. Hein, voilà, ça fait du bien. Donc je vais essayer de faire ça en plus des cures que je fais pour les cheveux et la spiruline que je prends également. Voilà, je me fais un petit cocktail de vitamines et de plantes pour retrouver la forme, même si je suis j'ai de la chance, malgré le fait d'être hyper fatiguée, etc. Je suis pas quelqu'un qui tombe malade, donc ça c'est très bien pour moi. Par contre, cette fatigue là qui dure depuis un moment, je pense que je dois être en manque de fer aussi, parce que clairement pendant les vacances on n'a pas du tout compensé le fait, enfin moi j'ai pas du tout compensé le fait que je mange pas de viande. J'ai pas pris de ma spiruline tous les jours quand j'étais en vacances. J'ai pas mangé clairement de légumineuses et de lentilles et d'épinards et ce genre de choses qui contiennent du fer, même de poisson. Je n'ai pas mangé du tout assez en fait pendant les vacances parce que je mangeais ce qu'on trouvait un peu là-bas sur place. Et donc du coup je pense que ça aussi, ça contribue au fait que je sois hyper fatiguée. Donc voilà, il faut remettre tout ça en ordre, c'est important. Et il faut surtout reprendre le sport parce que là, vous voyez, j'ai très mal au dos. Et je sais que clairement, quand je fais pas de sport et tout, je suis pas en forme. Et j'ai mal partout. Voilà. Et je suis KO. Donc vivement la reprise du sport. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao !